Cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Ngonga libération et koki pour na binonyo so bana Congo ba oyo balingaka ndoko Congo lokola héritage na bango bilenge baza elikia ya lobby ozali elenge pour le 15 moto nyoso atelo chango bilenge ya mpunga bilenge ya funa bilenge ya moa totelema pour lobby na biso bato toko déterminer yango. Les locaux, moto à libéré ta peuple, ton peuple à se libérer ta yomo. Topi ma bisonio son mokolo ya le 15. Le 15e mois, le 15 septembre, on a exigé aux amis libération ya mboka Congo. Moto na moto à bimana kanda na yé. Baboto la le pan. Justice ya mboko et se peut y sortir. Babeli si éducation. On va conseiller le moko ba conseiller social et se peut sortir. On a nio se tout li sakayo. On va la kayo salaire ba conseiller. Bato to zana bango li boso ba ko yo ka ka pop ke so ki pop a télé mouti. Ba la ka biso ba ko bongi sa boka ba ko bongi sa banzela ba ko bongi sa bo pito ba sali a moto. Bima la kanda na to kuta la anzela. To sangi sa ba kanda nio se po to zwa flam ya libération. Po groupe ya bato moko ba zu mboka oyo pe bakomi kokomisa yango lokola ya bango président Martin Fayulu président Mozutu totika bango na kanda na bango po kanda na bango ezali bakondami esalama na ndenge esengi article 64 biso tokolonga bomoko Congo ekozala libere bana Congo tolibere ko amener ces enfants
mais ça déjà du retard. Le pouvoir a ramené le pays sur le bon rail, sur le chemin de la démocratie. Mais on a senti déjà, dès le départ, les putschistes avoir un discours rassembleur. On sent qu'ils sont là pour promouvoir la démocratie. Ils ont annoncé un gouvernement d'union nationale. Les frontières sont réouvertes. On sent que tout redevient peu à peu à la normale. On sent quand même la volonté, contrairement aux autres pays comme le Tchad, par exemple, où il y a eu une instabilité pendant un long moment. Mais je merveille. Ça a toujours été ainsi, généralement, avec les hommes entre eux. Ça a toujours été ainsi. Ils viennent, ils donnent de bonnes paroles, ils essayent d'arrondir les angles, et après, ils changent complètement. En tout cas, nous ne le souhaitons pas pour la population guinéenne. Nous pensons qu'on doit essayer de travailler au niveau national, mais aussi à l'international, pour permettre à ce que ces pays reviennent dans le droit chemin. Maître Pétias, je vous demande j'aimerais qu'on aborde avec vous l'aspect de l'élection du président de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine. Aussitôt, ils ont réagi, ils ont demandé aux putschistes de libérer immédiatement le président Alpha Condé, parce que nous rappelons qu'il est détenu par les hommes de Ramadi et tout Mouya, bien qu'il est en sécurité, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est suffisant de dire, de demander la libération de Alpha Condé? Pensez qu'il faut intervenir pour arriver à stabiliser la tour. Merci beaucoup, M. le Président. Position de manière générale à la fête. Notre position a tendance à faire de la politique de des affaires qui pourraient se limiter à la réalité. Notre position n'a pas pour vocation de remplacer et d'apporter des changements. Et notre position a tendance à beaucoup plus à remplacer qu'à apporter des changements. Nous allons voir les Français, les opposants, qui, de manière naturelle, ont commis de voir les critiques, et pas les critiques, les critiques, mais les critiques objectives, l'objectif, la critique est constructive. Mais chez nous ici, au lieu de parler des idées, nos opposants parlent beaucoup plus des individus. L'opposition ne propose pas. L'opposition n'apportez pas des innovations. L'opposition est là pour faire en français des succédés. Pour les effets des changements, nous avons besoin de participer. Mais conquérir en faisant quoi? C'est-à-dire contrôler l'action gouvernementale. Et proposer des voies et moyens de développement de la nation. Et non d'apporter des obstacles, comme chez nous, si nous l'avons vécu, dans ces temps, vous avez compris des détournés de ville morte. On n'a jamais marché pour les paix. On n'a jamais marché pour parler des lieux de paix. On n'a jamais marché, parce que nous sommes en face des lieux de paix, c'est le moment que je parle des lieux de paix. On n'a jamais rappelé le fait de marcher contre l'augmentation des prix. On n'a jamais appelé le peuple à marcher pour la gestion de nos ressources, mais quand on a une voiture aussi, on n'a jamais visé les Congolais. Quelle dévolution avez-vous minéré? On n'a jamais visé les Congolais, comment protéger nos forêts? On n'a jamais visé les citoyens, comment préserver les lots? On n'a jamais visé, on n'a jamais visé. Et vous allez voir si la démarche, parce que je vais devenir tel, je vais soulever les peuples. Vous allez comprendre que la démarche de ville morte, c'est parce qu'on a refusé de devenir tel. Et non parce qu'on a refusé qu'on parle aussi des politiques nationales de l'environnement, des politiques nationales de la justice, des politiques nationales si c'est dans un forêt. On n'a jamais parlé de cela. Alors qu'un parti politique qui n'a pas pour vision d'apporter le changement, d'apporter l'amélioration, mais qui n'est là que pour remplacer ou succéder à ceux qui estiment que ce n'est pas vrai, maintenant c'est moi.
c'est ce qui a porté cela. C'est pour ça que vous voyez dans la guerre. Aussi tard que vous arrivez au pouvoir, lorsque vous n'avez pas quelque chose à proposer dans l'avenir, vous posez ça, c'est votre premier avantage. Vous avez vos précédents, allez pour les affaires des journalistes. Mais il n'a pas qu'il été arrêté. Depuis le jeudi, il a été relaxé hier à 18h. Pourquoi? Parce qu'il a assisté quelqu'un dans son pouvoir d'assistance. Et il y aurait un compromis qui s'est retrouvé et que les clients pourraient divulguer ces informations-là. On vient d'arrêter l'avocat parce que l'avocat n'a pas pu empêcher à son client de ne pas divulguer ce qui se sont convenus. Il a vu que l'avocat n'est pas un gendarme. L'avocat ne fait que donner conseil. Et quelqu'un qui a donné conseil, il a compromis trouvé que son client, entre parenthèses, pourrait divulguer ce qui se sont convenus. Et c'est un mec qui s'est questionné sur lui et il arrête l'avocat. Et les métiers en détention vont nous réfléchir jamais maintenant à la présence de ces confrères par son vérité. Nous nous sommes rendus la main en refusé. Alors, il m'a été relativement, c'est pour vous dire que nos opposants n'ont pas de politique. Sur le plan judiciaire, nous avons dit que les électeurs sont allés se réformer. Moi, je voudrais que les confrères qui ont été relaxés, que hier à 18h, voilà, simplement, pour l'autre, je vous ai parlé de la chômage, c'est que les deux séjours en détention, quelle est la chambre cachée de la main? Alors que les hommes étaient coincés, nous venons fermer les cachots. Parce qu'on a dit sans savoir pourquoi ces cachots-là existaient, on nous a trouvé que nous venons fermer. Mais maintenant qu'ils nous ont fermés, ils savent pourquoi ils roulent de cette année-là. Ils ne vont pas les fermer parce qu'au départ, ils n'avaient pas une vision par rapport à la dignité. Par rapport à la dignité, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne dis pas tout. Mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est d'abord moi que vous trouvez pour le président africain. Ils se sont toujours fuyés à l'extérieur. Mais enfin, qu'on est en la centième moment, il n'était plus en relation avec l'Occident. Il disait que tout pensait que les autres se mettaient à penser que tout bas, il n'est plus fier. L'Occident de l'avenir à la France, il n'a pas défié, mais plutôt il n'a pas respecté les contrats. Parce que ces gens-là, quand ils vous installent, vous avez un deux. Et à un certain moment, ils s'estiment que vous les respectez pour ce que vous êtes convenu. Et vous faites passer pour un dictateur. C'est ça que vous savez, qu'ils sont organisés par ces étrangers, par ces occidentaux-là. Et ils vous font passer pour un dictateur pour vous imposer à la population. Tant que vous ne remplissez plus les obligations, parce qu'en venant au pouvoir, on vous a donné un cahier des charges. C'est vous, mais c'est nous qui vous plaçons là-bas. Vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais comme vous aviez rien au départ, vous étiez pour l'opposition de mise en place des partenaires que je me mette, et il vous met, parce que vous n'avez rien à faire. C'est sans doute que vous y mettez là-bas. C'est sans doute que vous donnez des autres qui vont vous aider, vous avez réalisé. Mais curieusement, quand vous voulez prendre conscience, peut-être pas avec le mandat, parce que quand vous êtes devant les armées, vous devez avoir des stratégies que vous vous en différenciez. Mais affronter directement des stratégies. Mais oui, il a manqué des stratégies. Il a vraiment manqué des stratégies. Et il s'est exposé sur ces derniers temps, par ses discours, par ses sorties médiatiques. Et c'est ce qu'ils ont réalisé, c'est alors qu'ils ont pu. Et ils ont condamné ce coup d'État. Le coup d'État reste condamnable. On ne doit pas se limiter toujours à condamner le coup d'État. Il faut beaucoup plus se jouer à la prévention. On n'est pas là seulement pour constater que vous avez compris ce que les mêmes Africains et les autres ont décrié, mais aujourd'hui, comme ces militaires ne se sont pas retrouvés, ils sont revenus. On ne peut pas se contenter seulement à des déclarations, on ne peut pas se contenter seulement à des dénonciations, mais nous devons beaucoup plus se jouer à la prévention. Comment faire pour que ce coup d'État n'arrive pas? Comment faire? Les mêmes restent communs, ils ont du courage, ils se sont basés sur quoi? Les conditions sociopolitiques de comprendre les citoyens, vous n'êtes pas parlé de comprendre. Voilà, merci beaucoup. Vous devez d'abord améliorer les conditions de vie et vous allez voir les mêmes dictateurs que des autres, des années sur là, ils ne sont jamais obligés. Parce qu'il faut le minimum et qu'il faut pour la communauté, pour la population. Merci. Mais quand vous êtes en contradiction avec la population, ces gens-là que vous estimez aujourd'hui, vous sécurisez ces santé qui vont vous tourner. Parce qu'on a vu la population jubilée, on a vu la population sortir après les cas, comme vous dites, la population a guéri. Alors, Félix Kaimé, le président de l'Union africaine, l'exercice de l'Union africaine, a condamné, il a même exigé la libération immédiate de l'Alpha Condé.
Il ne voit pas d'humilité,
Considère que ce sont eux qui sont les propriétaires des terres et nous sommes des locataires.
Voilà pourquoi c'est important d'en parler. Alors, lorsque vous êtes en face des bandits, quand il y a un autre bandit qui est dans l'armée, qui considère que lui, il est plus bandit que celui qui a arrêté du pays, il peut le renverser. C'est ça! Et si vous voulez que les choses soient dans la stabilité, il faut faire pouvoir la démocratie. La démocratie sécurise même celui qui est au pouvoir. Si c'était un état pays réellement démocratique, la population n'allait pas sortir en alliance pour soutenir un geste. Parce qu'on a vu la population là-bas. Non, effectivement, parce qu'il y a de l'indépendance, ceux qui sont du nord et ceux qui sont du sud. Chaque parti a une approche. Là où l'opposition est majoritaire, c'est là où la population est en lice. Là où il y a la minorité comme les amis qui sont dans le bourgeois, ils viennent ici à la télé pour dire non, voilà, Félix, c'est qu'il a fait ça. Alors que tout le monde se plaint, même le membre de l'UDPS. Les membres de l'UDPS. S'il vous plaît, mais lui vient et vous dit non, tout va bien, Félix, c'est qu'il est bon. Mais en tout cas, Félix, il ne se plaint pas. Il se plaît. On a vu Félix, ça va, attendez. Pardon. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, il se plaint. Mais il ne se plaint pas comme les autres. Si vous allez devant le Parlement, vous sentez la misère. Vous sentez la pauvreté. On a vu. En réalité, dans le pays civil, lorsque l'opposition accède au pouvoir et que vous avez des structures de gens au Parlement, ça devient des élèves de défense. Ça devient des incubateurs pour créer des enfants. Ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est que je dis qu'aujourd'hui, il y a des leçons à tirer. Mais ce fait, c'est qu'il doit savoir que personne n'a peur de lui. Tout le monde a peur de la Constitution. Si lui ne veut pas respecter la Constitution, il ne sait pas. Il ne respecte la Constitution. Il n'a pas d'emploi. Enfin, il respecte la Constitution. Il n'a pas d'emploi. Mais la question du cas dans les ce n'était pas la question de si c'était bien, c'était la question de lui. Vous voyez comment est-ce que le dialogue ne peut pas être perdu au Parlement de 27 ans, mais vous n'avez pas respecté de la Constitution. S'il vous plaît, c'est bien sûr que la RDC, vous finissez vite, n'est pas dans ce cas-là. Nous avons été au patron, nous avons été Félix Tshisekedi parce qu'il est président de l'exercice. Non, mais attendez, ne tirez pas de conclusions hâtives. Parce que justement, il y a un type de politique de pouvoir qui peut vous intimider. Non, personne ne peut vous intimider. Vous avez voulu transposer ce qui s'est passé là-bas d'ici. Il y a des frustrations, il y a des gens qui s'entêtent. Vous ne pensez que pour qu'il y ait un coup d'État, il faut seulement que lui dise non, tout va mal pour qu'il y ait un coup d'État. Non. Il y a des gens qui parlent aussi. Vous dites, ok, il n'a pas été élu conformément à la Constitution, mais c'est bon. Il a fait partie des juges de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution. Il s'impose. Il prend des décisions à temps et à d'autres temps. Il s'impose. Il gère avec légèreté la question de l'Est. Il s'impose. Même si je ne soutiens pas, attention au troisième lave. Parce que pour lui dire, non, voilà, il fallait qu'il ne peut pas mobiliser la population. Mais qu'il dit que pour que Félix ne quitte pas, il faut que c'est nécessaire d'envoyer. C'est juste un conseil, cher ami. Parce qu'en Guinée, ce n'est pas l'opposition qui s'est plaignée. Mais ce qu'on a pensé qu'il pouvait marcher sur l'opposition, c'est que c'est l'armée, sans l'armée. C'est la personne que vous voulez pas écouter. Ce n'est pas quelqu'un de moi. Le monsieur est venu de la France, justement, pour former une unité spécialisée chez lui. Pour sa sécurité. Il faut faire attention. Un autre élément. La chute de Joseph appelle un élément fou sans Dieu, je vais parler. Ça veut dire que M. Félix Tshisekedi, je ne dirais même pas pour lui, a dit, a demandé ou a exigé à ses putschistes de libérer. M. Félix Tshisekedi représente quoi sur cette question? Non, il est président. Non, mais attendez, il a proposé son nom. Dans l'Union fidèle, vous ne connaissez pas les gens. Mais est-ce que vous pensez que la Félix Tshisekedi a la même valeur que lui, lui attend que là-bas? Qui va respecter la parole de Félix Tshisekedi? Enfin, en tant que président de l'Union fidèle. Il représente quoi là-bas? Non, il représente l'Union fidèle. Il y a des gens qui ont dessous la Constitution et les institutions. Vous pensez qu'ils vont respecter votre. Mais si c'est un président de l'Union fidèle, monsieur Jérémy, c'est un président qui fait son travail. Et ce sont les sénateurs des gens qui l'ont payé, ça veut dire que c'est un peu plus de la parole. Soit il y a un peu plus de la parole. Non, mais je ne vais pas le dire, parce que vous avez un peu plus de la parole. C'est lui qui l'a payé. 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 C'est lui qui l'a payé.
c'est que tu vas avoir projeté, tu n'as pas même pas géré les petites choses telles que la décentralisation, la prière est venue, parce que quand tu vois les arrêts, où les projets arrivent à aucun. Donc je sais que les projets, les choses arrivent à nous, la parole, ça fait que ça fonctionne. Si on s'est admis ça, ça fait la parole. Parce que quand tu es maintenant, c'est le résultat de la politique publique, monsieur. Je vous ai dit, le principe public, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit, vous avez la parole. Alors on va passer, directement au deuxième sujet, vous allez aussi réagir, je vais vous laisser un mot. Le deuxième sujet, le VPN a appliqué la mission de l'Assemblée provinciale en instituant le gouverneur à droite. Alors, il n'est plus gouverneur aujourd'hui, c'est son vice qui assume l'arrêté. Mais il a fallu deux bonnes années pour que cette décision soit appliquée. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Certains disent que le VDPS a soutenu à Touadouana, à un moment, puisqu'à Touadouana ne répond plus aux aspirations de VDPS. Voilà pourquoi il a été. C'est toujours comme ça. Bon, je vais réagir, monsieur Boulogne. Vous tendez toujours à être un peu professionniste. Lorsque vous devez ramener le président de la République jusqu'au niveau du village, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Il y a des structures qui s'occupent, n'est-ce pas, des services de circulation, des roulages, quand même. On ne peut pas ramener le président de la République au niveau des roulages de serviteurs. Ah non, quand même. S'il y a des défaillances, commencez d'abord par fustiger les structures qui sont censées. S'occuper de ces roulages-là, quand même. Soyez au sérieux. Je continue. Mais il nous parle de. Il dit qu'il n'est pas d'accord, ou bien il pense que le président de la République, en tant que président de la Union africaine, ne fait rien, tout ça. Mais il n'a pas appris que l'ONU aussi a fustigé ces coups d'État-là. L'ONU est la plus grande instance. L'ONU a exigé la même chose. Avec le commandant. Que des fois, quand il a le courage de s'attaquer à l'ONU. Alors, il a pendant lui aussi le coup d'État. Je dis ceci. Il y a encore la CDAO, si je m'abuse, l'organisation régionale, qui a fait le même engagement, le même rôle avec le président de l'Union africaine. Sous-régional, merci beaucoup. Qui a fait le même boulot, mais il n'a pas du tout condamné. Donc, vous comprenez que. Il n'est là qu'à s'attaquer à son président. Mais c'est comme ça. C'est son président de la République. Vous vous levez, vous pensez que tu sais que de vous. Vous dormez, vous pensez que tu sais que de lorsque vous marchez, vous pensez que tu sais que de c'est normal, c'est son président. Il faut savoir faire la part des choses. Il faut penser à lui. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsque c'est bien, lorsque c'est une bonne chose, comme tu sais que c'est une bonne chose, lorsqu'il faut critiquer, il faut critiquer. Il ne faut pas tout. Non, c'est pas bon. Alors que le premier de président de l'Union africaine, c'est le premier coup d'État. Monsieur Boulogne. Est-ce le premier coup d'État en Afrique? Il y en a eu, je ne sais pas, 200, plus de 300, plus de 200, 250. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a ces 50 dernières années, on n'a pas assisté à des coups. Mais ça fait rien. Maintenant, vous avez un président de la République qui est en plein exercice. Vous voulez qu'il se dise? C'est une certitude, monsieur Boulogne, allez être encore sur votre plateau pour dire qu'il ne fait rien. Voilà, merci beaucoup. Non, non, je n'irai continuer, monsieur. Il y a une question sur cette affaire des journalistes. Les journalistes, là, c'est dans les émissions, c'est être libre de faire le boulot. Nous sommes tout à fait d'accord. On ne va pas nous demander, ou bien on ne va pas demander au service de l'État que lorsqu'il y a un journaliste qui sort totalement du cadre de son travail, et bien les services doivent citer. Mais l'État de la République, c'est dans la procédure. Exactement, ce n'est pas faire plus de 48 heures dans un cachot de l'année. Je suis tout à fait d'accord. D'abord, il faudrait faire la différence entre les cachots, les geôles et des cellules qui peuvent accueillir des interpellés. Il est à la geôle et à la attendez. Laissez-moi argumenter. Allez-y. J'ai toujours mis au défi. Je vous mets à défi, M. Boulogne et M. Pétiens. Dites-moi si au niveau du Mossad, si au niveau de la DGC,
services secrets en français ou même en FBI, il n'y a pas de CNN. Non, il y a des CNN. Est-ce que ce soit ça, ma femme? Attendez. Attendez. Il faudrait faire la part des choses. Lorsque le président de la République avait parlé, il avait dit qu'il faut faire des cachots clandestins, des cachots où on torturait, des cachots où on faisait disparaître des individus. Mais ici, il y a des semaines D'ailleurs, si vous parlez de deux jours, n'est-ce pas? Vous parlez de deux jours pendant tout le temps. Et cette personne va passer 1 jour. Il va passer? Oui, dans une semaine, n'est-ce pas? Le problème, c'est si j'aimerais terminer. Non! Ça, c'est notre plat de manche. Déjà, il faudrait dire, vous qu'on allez en paix, vous qu'on allez. Laissez-moi vous manger. Mais que vous qu'on allez. Après 48 heures, vous qu'on allez quand même. Je ne suis pas d'accord avec. Merci. Non, vous allez quand même. Je continue. Ok. Il faudrait lever l'équivoque. Voilà pourquoi j'ai lever l'équivoque. Parfait. Maintenant, par rapport à mon dossier à Thomas Doua. Par rapport au dossier à Thomas Doua. À Thomas Doua. Une fois encore. Il va nous faire croire que c'est parce que alors qu'il était là 2 jours, si je m'accuse, il était descendu sur terrain pour dire qu'il n'y avait pas une route comme ça. Il a parlé du président de la République. Il a parlé de son soutien au président de la République. Mais comment on va nous dire de ne plus entendre ça? Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est où? Le problème est que faire respecter aujourd'hui une décision judiciaire. Pourquoi pas la personne? On n'a pas fait respecter cette décision judiciaire. Vous reconnaissez que le pouvoir a failli. Nous disons ceci. Nous n'avons jamais dit que tout était OK. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'avait signifié. Voilà que nous sommes vrais. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Le président de la République avait dit qu'il y a certaines choses au niveau de la justice qui ne sont pas faites de manière organisée, de manière vraie. Et aujourd'hui, tu ramènes le curseur au bon endroit. C'est une chose à féliciter, tout en déplorant bien sûr tout ce qui s'est passé ces 2 ans. On devra nous expliquer, c'est vrai, pourquoi on a pris tout ce temps. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse prendre tout ce temps? Mais que si on entend qu'un homme, on a eu à remettre les pendules à l'heure et que M. Thomas Doua là est destitué, n'est-ce pas, est destitué, et qu'on va organiser maintenant une élection au niveau de la province. Alors, une de la province qui sont concernées, ça c'est exact, ça c'est sûr. Alors, mettez petit à ce moment-là. Je me parle avec vous, le sujet à Thomas Doua. 2 ans durant 2 bonnes années. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Liboke Moko.